Amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Parlable autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous voici à présent avec un écrivain, un professeur de lettres. Il se prénomme Okri Pascal Tosso. Okri Pascal Tosso, bonjour Bonjour Asdé. et merci de nous revenir. Oui, c'est moi. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Bonjour, professeur. Nous rappelons que Pascal Okri Tosso, il est maître de conférences de littérature française. Oui. Il est en poste au département de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Bien sûr. Il est aussi essayiste, critique littéraire et romancier. Il a eu à publier Femmes, Numéro Matricule, Siram, qui sont des romans, L'intégrale pour le Théo au BTS Bénin, Villon, Voltaire Vigny, comprendre la littérature française, Métadiscours, Corpographie et Corpologie. Votre roman intitulé Siram, dans une version revue et corrigée et rééditée aux éditions Plume Soleil, bien sûr, vient d'être mise au programme des classes de terminale dans le système éducatif du Bénin. Vos impressions, Okri Pascal Tosso. Oh, d'abord, merci à toute l'équipe qui me fait encore la faveur et l'honneur d'être dans ce studio cet après-midi. Non, mes impressions, ce n'est que de la gratitude, de la pleine gratitude, parce que je ne sais qui a cuisiné sincèrement ce projet d'inscription de Siram au programme. Et c'est même par un ami que j'ai eu la liste officielle sur laquelle le livre figurait. Et donc, vraiment, je dis merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leurs ingrédients à l'inscription de ce petit Monsieur, roman pour les classes terminales de notre système éducatif. Oui, merci professeur. Cela ne devrait même pas vous étonner parce que vous rappelez que pour le prix du président de la République 2015, votre roman Femme était En déjà compétition en compétition de et est sorti finaliste, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, c'est la preuve qu'il y a de la matière dans vos romans parce que Merci. Ceux qui décident encore de l'inscription d'un roman programme, ce sont des gens indiqués, ce sont des inspecteurs. Moi, je leur dis bravo parce que tout à l'heure, nous allons découvrir l'univers où nous allons redécouvrir l'univers de ce roman jusqu'à aujourd'hui, lorsque moi je suis l'actualité. Et que lorsque je revois les personnages, les intrigues, c'est-à-dire les histoires racontées, les vies qui y se trouvent, l'actualité continue de nous montrer que vous avez raison. René, Oui. un mot donc sur Siram. Oui, Siram qui est un roman qui met en exergue la vie du jeune Assiol. Assiol qui, après le secondaire, a continué ses études universitaires à l'université de Dank, en Occident. Et le décor est planté ici dans une prison. C'est depuis la prison qu'il nous rappelle les différentes étapes de sa vie. Il est allé en prison pourquoi? Pour avoir fait une conférence, c'est pas sur une La réflexion nécessité qui de est la changer les nécessité mentalités. de changer les mentalités. C'est ce qui l'envoie en prison où il a eu pour colocataires Antonin et Jean-Claude. Antonin avec qui, lors des moments de détente, il cogite sur des questions qui leur tenaient vraiment à cœur, à savoir la pauvreté de l'Afrique, le viol, la guerre. Et tous ces mots qui minent notre Afrique, ce sont sur ces questions que chaque fois qu'ils avaient un moment de détente, ils cogitaient, ils se demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque après toutes ces études à l'université et autres, ils se sentent incapables de faire le nécessaire pour arrêter ces fléaux-là. L'hémorragie ambiante, Voilà, voilà. l'hémorragie ambiante. Et entre-temps, Axiol avait rencontré aussi Siram. Le titre du roman, les deux se sont épris l'un de l'autre et depuis ils sont restés ensemble. Et Siram a mis en place une fondation pour les enfants abandonnés. C'est un peu autour de ça que tourne Oui. ce roman. Oui, René, nous allons demander au professeur pourquoi le titre Siram. Siram. En fait, j'avais commencé ma prise de parole par le mot gratitude. Le titre aussi, c'est de la gratitude. En fait, c'est le condensé d'initiales de noms de gens qui m'ont été très indispensables et très utiles dans mes premières réflexions sur
le tableau que l'humanité présente. Le S, vous allez voir, renvoie à un, je vais trahir un seul d'entre eux. D'accord. Le S, par exemple, renvoie à Steve. Et ce Steve, okay. c'est en réalité un des amis de fac, n'est-ce pas, qui devient John en réalité hein, dans le livre. Oui. N'est-ce pas, c'est l'initiale de l'EY. Bon, j'ai dit que je tairai le reste et le rame final. Mais c'est pourquoi vous verrez que la dédicace du roman, c'est plutôt pour vous. Oui. Dédicace au début, pour le moins oui. étrange. Mmh. Pour vous, vous qui, c'est ce grand V mmh. qui condense tous mes amis, toute tous l'humanité, ceux qui, ont... voilà, qui me portent et qui continuent aujourd'hui de me porter. Mmh. Voilà. Voilà. Oui, en fait, et maintenant que Siram est au programme, bon, moi, je voudrais savoir, et forcément, il doit y avoir, on va vous inviter dans les collèges, c'est-à-dire, pour, oui. même sans que vous ne soyez au programme, vous êtes déjà sollicité, voilà. Les, voilà. Les, alors, les mais, reliques, oui, voilà, les reliques, merci. Alors, maintenant que vous êtes au programme, programme. Cas du terminal, est-ce que vous ferez disponible désormais de venir... expliciter, c'est-à-dire la profondeur de votre œuvre aux oui, apprenants béninois. Oui, j'essaierai autant que cela se peut. C'est vrai qu'il y a mes responsabilités voilà, universitaires, mais oui, c'est une chance oui. que d'être inscrit pour ce large public, la jeunesse en question, parce qu'il me semble que le contenu du livre les interpelle. Oui. Tout à l'heure, je souriais quand j'entendais René essayer effectivement le résumé, et je l'en félicite. Merci. Ce n'est pas facile de résumer Siram, oui. puisque dans un projet d'écriture oui. un peu iconoclaste, c'est un pan dispersé. Oui. Et c'est l'effort qu'elle a fait de prendre les foyers narratifs du roman, notamment le parcours d'Axiole en prison, notamment les discussions sur des projets d'avenir, et surtout la femme dont le nom est oui. sur le livre, c'est-à-dire celle qui a monté la Fondation pour l'enfance. Donc vous voyez le clin d'œil à la chute du roman, oui. Fondation pour l'enfance, donc encore, vous me connaissez un peu cet appel oui. à l'humanisme. L'espoir. Oui, en fait, c'est, oui, en fait, le propos de René, c'était juste pour vous provoquer, oui. parce que nous voulons bien écouter, vous entendre. Oui. Voyez-vous la façon dont vous donc, de nous présenter encore. Oui. Lorsque nous prenons l'épilogue, oui. nous avons l'impression que toute la saveur oui. de l'œuvre réside oui. dans oui. l'épilogue, et où tout ce que vous reprochez à l'humanité, c'est-à-dire la déshumanisation, oui. c'est-à-dire à outrance. Et lorsque moi je capte aujourd'hui RFI, c'est l'épilogue, c'est-à-dire c'est Siram que oui. je vois. En réalité, pour finir, oui. je ne pouvais que, à ma manière, condenser oui. tout le projet esthétique du roman. Très Parce bien. Qu'en fait, vous allez voir, tu me connais cette phrase, Asde, je n'aime pas prescrire la réception d'un livre. Mmh. À partir du moment où vous écrivez, oui. c'est oui. fini. Voilà, c'est tout à fait. Oui. Mais, oui. puisque c'est les plus jeunes qui vont y accéder, oui. j'explique, le piège dans Siram, c'est qu'il y a trois foyers narratifs. Mmh. Et il ne faut pas se laisser aller à le lire, Alors. Comme par exemple, je dirais, Une vie de boy, voilà. et Oyono, oui. ou bien L'enfant noir de Kamara Lai. Ici, c'est des foyers qui se croisent, c'est des feux. D'éclairage, notamment oui. la pensée du prisonnier oui. à Axiole lui-même. En plus, oui. quand il dit, voilà, mm-hmm. est-ce que ma jeunesse me joue des tours voilà, de temps oui. en temps, compare ce que nous appelons analepse de mm-hmm. notre jargon oui. narratologique. On retourne dans son passé oui. pour découvrir certains éléments qui le concernent. Mais en dehors de ça, il y a la lecture ambiante de la société. Et c'est ça, c'est l'actualité, c'est le pan de l'actualité. Ça. Et il y a maintenant les intrusions du narrateur extra-diégétique, c'est-à-dire de l'auteur oui. qui vous prend à partie, oui. vous interpelle, mm-hmm. vous, etc. Donc c'est ce vrai. Sont ces trois tirs croisés qui tissent finalement ce qu'on peut appeler l'intrigue ou si on veut la diégèse dans Siram. Mais après tout, mon projet c'était quand même d'interpeller. C'est des lectures de jeunesse. Siram a été conçu il y a bientôt déjà une dizaine d'années. Donc ça fait que quand je le relis aujourd'hui, je dis oui, tu es peut-être allé très fort. Mais c'était des choses que j'avais dedans en gestation et qu'il fallait accoucher. Oui. J'ai accouché. Oui. oui, voilà. Et professeur, voilà, il y a des millénaires que l'humanité existe, mais l'humain ne se bonifie pas. Comment peut-on expliquer cela, professeur? Nietzsche avait une expression qui lui est propre, qu'il appelle la volonté de puissance. En fait, elle existait depuis que nous sommes venus. Regardez Caïn et Abel. L'un a tué l'autre, simplement oui. parce qu'il a estimé que la prière de l'autre était mieux exaucée. Bien c'est sûr. En fait cette mise en abîme qui grossit aujourd'hui dans le monde Bien que sûr. Vous voyez. Tout n'est pas désespérant. Non, il y a encore des Mère Teresa. Non, il y a des Nelson okay. Mandela. Voilà. Mais c'est qu'à côté... Il y a la pègre, la peste. Oui. Et quand tout ça prend le dessus en pourcentage sur la minuscule partie de bienfaiteurs, il faut s'en inquiéter. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne pas prescris pas. Parce oui. que je suis loin d'être saint moi-même. Mais fatalement, la carrière d'enseignant m'amène parfois à échanger ces aspects avec qui veut m'entendre.
Voilà. Et donc, quiconque voudra lire Siram, vous auriez souhaité qu'il le lise comme quelqu'un qui va, une interpellation, comme une causerie, comme autour d'un café littéraire, et qu'il se fasse sa propre opinion sur ce que j'ai avancé, qu'il peut contester, contre lequel il peut s'inscrire en faux, ou qu'il peut partager avec moi. Oui, mais il serait difficile de contester, la réalité. Oui, la réalité, parce qu'elle est là, et ça dit de la prophétie tout court, parce que les mêmes choses continuent toujours, donc de secouer l'humanité, on se demande si vraiment un jour cela prendra vraiment fin. Si, il faut y croire. C'est pourquoi ça, vous voyez, ce qu'on a mis à la quatrième de couverture, on dit les enfants, eux, réexpliqueront un jour aux adultes le sens de l'amour. Voilà. Et inscription typographique, amour est avec un grand A dans le livre. Donc, ce n'est pas l'amour à la 14 février, c'est l'amour de calendrier. Très bien. Mais ce rapprochement entre les hommes qui fait que le sourire arrive même quand on n'a pas de dents dans la bouche. Voilà. Et nous lisons au dos un idéologue en prison, des tractations en cours pour le libérer, des coups de phare dans la mémoire du prisonnier, une Afrique qui pleure, l'humanité qui se déshumanise. Mais, loin de cet apocalypse annoncé, l'enfance, l'innocente enfance, voudrait qu'on l'écoute. Elle pourrait réexpliquer aux adultes le sens de l'amour. Siram, un roman qu'on ne raconte pas, mais qu'on lira désormais parce qu'il est inscrit au programme. Il s'impose. Il s'impose. Professeur Pascal Tosso-Cri, merci infiniment. Malgré votre calendrier très, très, très surchargé, vraiment, vous êtes libéré. Adi, pour vous rendre ici, nous parler de votre roman Siram, désormais inscrit au programme des classes de Terminal au Bénin. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la littérature, pour la jeunesse et pour le Bénin en particulier. Merci. René, merci infiniment. Je n'en fais pas autant que vous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Et chers amis, bonsoir chez vous.